ברוך השם, שמחת חג אמיתית, ברוך השם. אלוקיי, נשמה, שנתת בי טהורי, אתה וראתת יצרת, אתה נפחת בי ואתה משמר. Je connais pas. Moi, je pense c'est bien. Pourquoi c'est bien? Plein de. Après chacun comment. Après c'est chacun comment il est. Comment il voit les choses. Bonjour. Ça veut dire que si vous voulez les Emouna, c'est quelque chose qu'on a besoin de les traiter. C'est la Emouna, c'est quelque chose qu'on a besoin dans le quotidien. C'est pas des choses que tu fais de temps en temps et après tu arrêtes. Il y a des gens que même la Emouna en eux, ils n'ont pas. Ils n'ont pas capable de croire aux gens dans le quotidien. Donc ils ont des doutes partout. Ils ont des doutes sur les affaires, sur les amitiés, sur les gens. Donc première chose déjà, prendre la Emouna en soi-même, toi, Gvar. Il faut croire en toi, croire aux gens, donne des places à l'autre d'exister. Parce que si on a des doutes, ça veut dire que tu rentres Amalek dans ta vie, dans le quotidien où tu vas. Amalek, c'est le Safek. Donc quelqu'un qui il a toujours des Sfekot, donc la Emouna, le mot Emouna à l'intérieur, c'est quoi? Aleph, même nous, les racines, c'est quoi? Entraînement. C'est non-stop, on a besoin de s'entraîner, que Akadosh Baruch Hu, il est là. Il était là, il sera là. Ça, c'est des choses non-stop. Sinon, après, on rentre dans les... Pourquoi les gens? Tu vois que les gens qui ont les Emouna très forts, les gens qui ont la Emouna fort, c'est des gens que tu les vois, tu ne les bouges pas comme ça. C'est des... Tu sens qu'ils sont... Ils sont forts. Essayez-vous dans quelque chose que vous croyez à 100%. Chacun pense c'est quoi la chose que je me sens le plus. C'est vraiment... Tu ne me bouges pas de la chose. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, tu vois les générations... Les gens, ils sont sûrs de rien, ils croient à rien. Et on a dit plusieurs fois, ça fatigue. Tu vois, des gens, ils coupent, ils vivent ensemble, un couple. Ils n'ont pas confiance en l'autre. Ah, il me cache des choses. Ah, il a une autre compte. Ah, il a une autre ça. Chez Mishmor, ça doit être ton mari ou ta femme. Qu'est-ce qu'on va dire sur l'associé, sur ton ami, sur les gens que tu les vois chaque semaine dans la choule. Donc, si tu prends une chose que tu te sens vraiment certain, que tu crois à la chose. Est-ce que tu crois que quelqu'un peut te bouger de ça? Réfléchis. Comme ça, on doit arriver, par exemple, il y a tous, on a quelque chose que tu dis, avec les yeux fermés, tu ne vas pas me bouger de ça. Nakhon? Non, laisse kashrut, azof ta Torah, laisse la Torah, Arsham. Laisse. Ton père, tu sais que c'est ton père, jamais te tourne les dos. Ça, c'est pour toi, c'est une muraille, oui ou non? Des choses comme ça, laisse la kashrout, que le kashrout, tu fais confiance aujourd'hui? Ah, moi, je ne sais pas, moi, je ne fais pas confiance. Aujourd'hui, le monde, il est plein de shkarim, et les hâtes, hop, tu as mélangé l'huile avec l'eau, tu croyais que c'est... Tu ne voyais pas l'huile, hop, le verre, il repose, l'huile, qu'est-ce qu'il fait? Il monte. Aujourd'hui, la vérité, elle est cachée. Il faut aller la chercher. Donc, comme on ne la cherche pas forcément, Kadosh Baruch Hu, tu commences à détruire des... idole que l'homme, le monde, il a pensé dans tous les domaines.
faut pas être, il faut pas sortir de Saint-Cyr. C'est devant nous. Il faut juste qu'on a kichaïna, que les yeux s'ouvrent pour que tu vois combien de choses, il y a beaucoup de mensonges. Mais nous, au niveau personnel, on a chacun, tu fais confiance à tes parents, tu dis, moi, mon père, c'est un, c'est muraille. Quoi qu'il fasse, il est toujours là pour moi, oui ou non. Ou ta mère, ou ta soeur, ou quelqu'un. Donc, quelqu'un, Arshav, vient, il va te dire, tu sais, ton père, c'est pas ce que tu crois, hein. Tu commences à préparer les angles ou pas. Moi, c'est mon père, c'est 100%, je rentre dans une fournoie de feu, si il y a quelque chose, oui ou non. Si on arrive à arriver à une émouna, Bakadosh, Baruch, Boribono, Shel Olam, comme ça, tu t'imagines les forces que tu auras. Ça veut dire que tu ne peux même pas t'imaginer, parce que de quoi toutes les tristesses, toutes les peurs, toutes les dimionotes, l'imagination, tous les problèmes de Shalom Bayit, tous les problèmes avec les enfants, tous les problèmes, tout problème qu'il peut avoir dans ce monde, elle est liée à quoi? Il manque d'émouna. On n'a pas notre émouna, elle n'est pas stable. Donc quand quelque chose n'est pas fort, tu t'es abattu. On est abattu. Tu sais quand on dit que Bnei Israël, ils ont sorti d'Égypte et ils ont chanou berépidim. Qu'est-ce que chanaya berépidim? Pitom, ils ont chanou. Tu diras qu'ils ont compé, ils ont... C'est quoi chanou, chachamim? Il dit, al tagid repidim, el harapou yadeh min haTorah. Ils ne sont pas reposés, ils ont lâché. Ils ont lâché. Ça veut dire, des fois, on a un moment dans la vie quand la mouna elle est légère, tu dis, allez, allez, cette cour, j'ai déjà attendu. Qu'est-ce que c'est encore ça? Non, ça ne me dit rien, ça ne me dit rien. Je cherche une nouvelle adrénaline, quelque chose qui me fait vivre. Je suis mort, j'ai besoin de vivre. Pourquoi tu sens ça? Parce que déjà, tu as lâché. Azveniyom, azvechayomayim. Hachem me dit, tu me lâches un jour, je te laisse deux jours. Tu crois que tu me fais... Qui a besoin de qui en plus? Kadosh Baruch Hu m'a l'air rempli, rempli, rempli. Le fait que nous, on est associés avec lui, c'est que nous, on prend des forces, on lui donne une chizouk, nous osons à Kadosh Baruch Hu, on donne comme on donne. C'est comme l'exemple qu'on a dit, vous vous souvenez, avec la maman qu'elle fait une grande repas à tous ses enfants. Ouais. Et tout le monde vient, il mange, elle a envie de refaire. Ça, c'est nous osons les Elohim. Et quand personne venait pour cette repas qu'elle a investi toute la journée, mais tishin kocho, quand on n'est pas, on n'a pas cet émouna v'Hachem, on arrive, mais on recule, on a des doutes, on a oui, non, on affaiblit les forces qu'il peut réaliser en nous, parce qu'Hachem peut te donner autant que tu veux. On n'a pas d'idée ce qu'Hachem peut te remplir dans ton couple, il peut te remplir dans ta vie, dans, avec tes enfants, dans ta vie personnelle, dans tous les domaines. Simplement, chaque fois on met des limites. Tout seul, on crée des limites parce qu'on n'a pas l'émouna. On n'a pas l'émouna en nous, on n'a pas l'émouna maspik b'Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu, si on a pu avoir cette langage d'après ce que Chachamim dit, Akadosh Baruch Hu, migdal malekol tout. C'est comme si il a un sac plein, plein, plein. Tout ce que tu veux, toi, il a dans ce sac. Ne demande pas comment et comment c'est possible, comment c'est. Tout ce que toi, tu veux, j'ai à te donner. Mais quand j'ai envie de te donner, tu ne viens pas les chercher. Donc, moi j'ai, mais toi tu ne viens pas les chercher. Comment ça se réalise que tu ne viens pas les chercher? Que tu ne crois pas que j'ai. Vous savez, il y a quelqu'un qui il est venu voir, c'est une machal comme ça, un roi. Il lui a dit, j'ai besoin, pas un roi, un ami. Il lui a dit, j'ai besoin que tu m'aides, j'ai besoin de l'argent, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Il lui dit, écoute, viens demain à la même heure et on parlera. Le lendemain, à la même heure, il ne vient pas. Quelques temps après, il revient. Il lui dit, tu sais, j'ai besoin. Il lui dit, ben viens demain. On a donné l'autre fois. Demain, sûr, je viens. Et il n'est pas venu. Comme ça, l'homme. Quand il arrive à un moment qu'il est, il est down comme ça, il est... Bon, il va avoir une paille dans l'océan, il va attraper. Peut-être cette paille, il va me sauver. Il cherche. Mais en nous, on doit chercher... L'émouna, parce que l'émouna, c'est mon équilibre. Vous savez ce que c'est l'équilibre? Quand tu vois un homme qui sa émouna, elle est fort, regardez le domaine que toi, tu te sens fort. Par exemple, cette émouna que ton père il sera toujours là pour toi. Ou ta mère, ou ta soeur, ou ton frère, l'homme échané. Comment tu sens équilibre sur ça? D'accord? Comment on sent? Personne ne peut me bouger là-dessus.
Mais si on arrive à être comme ça avec Akadosh Baruch Hu, que je sais qu'Akadosh Baruch Hu, quoi qu'il arrive, il est toujours là pour moi. Ah, pourquoi tu as des doutes? Quoi, il ne peut pas arranger ton problème de Shalom Bayit? Il ne peut pas arranger ton problème d'éducation? Il ne peut pas arranger ton problème de Parnassat? Pourquoi tout c'est autour des choses qui nous entourent pour qu'on travaille cette émouna? Comprenez, quand les Israélites ont rapouillé Adem in la Torah, dès que tu lâches, tu dis, j'ai besoin de l'air, connaissez le style, j'ai besoin de changer de l'air. Comment tu peux échanger l'air? Parce que sans cette l'air, tu n'as plus d'oxygène. Comprenez? Donc quand ils ont rapouillé Adem, qui c'est qu'ils rentrent quand on lâche un petit peu? Qui c'est qu'ils rentrent? Safek. Safek le gimatria Amalek. Amalek c'est qui? C'est le Satan, c'est le Tzara. C'est le Malach HaMavet. C'est lui qui est derrière toute une peur. Tu as une peur, Amalek. Tu as des doutes, Amalek. Tu as des on a dit plusieurs fois, il a sept noms, Yetzerara. Une des noms, on a dit, Even, qui te ramène, comme une, tu deviens indifférent de tout ce qui se passe autour de toi. Tu as une amie, elle n'a pas de quoi nourrir ses enfants. L'autre, il est triste. L'autre, il a un problème. Même si tu ne peux pas vraiment l'aider dans les pratiques ou dans les pensées, au moins, regarde là comment elle est, comme ça, elle est abattue. Non, il te rend une froideur, un doute. Ah, il y a tout le monde, aujourd'hui, il y a beaucoup de pauvres. Aujourd'hui, il y a beaucoup de ça, je n'ai pas le temps. Et j'ai déjà attendu, il y a des gens qui me disent, je base maintenant toutes les SMS, il y a trop. Tu parles avec des gens, il faut aider un tel. Ah oui, il y a trop, de... alors il y a trop, toi, ça veut dire quoi? Pourquoi Hachem il a vu que toi tu fais trop? Et pourquoi il a fait que toi tu entends trop? Parce que peut-être c'est trop, il faut qu'il te bouge. Il faut que tu arrêtes d'être indifférent. Comment on peut être indifférent? Vous comprenez? Parce que dès qu'on est indifférent, on déclenche mesure par mesure qu'il soit indifférent vers nous. Vous comprenez le problème? Parce qu'on rentre dans un cercle dans la vie. Si toi, tu as la Emouna b'Hachem, tu sens la présence d'Hachem. Pourquoi? C'est marqué comme ça. Hachem, Tzilcha. C'est quoi Tzilcha? Ma Hatzel, c'est quoi l'ombre? Comment tu le bouges? Il bouge. Tu le fais coucou, il fait coucou. Tu souris, il sourit. Tu fais la tête, il fait la tête. Akadosh Baruch Hu, comment tu le rends dans ta vie? Il est présent. Tu le rends 10%, il va être présent 10%. Tu le rends dans ta vie 40%, il va être 40%. Tu le rends 100%, ben il va être 100%. Même un voleur qui est en train de voler, c'est marqué l'otignov, mais il gonève. C'est marqué, il ne vole pas, il vole. Et au moment de détresse, il appelle Hachem. Il est. Hachem, il est. D'un côté, d'accord, en tête, mais tu me fais confiance. C'est, d'accord. Après, on fait les comptes, mais sur les mamans. Ça veut dire, c'est marié à une certaine. Un homme, un juif, où il va, il retourne à la source. Tu vois beaucoup de gens, les plus tranches de toute la société, de plusieurs catégories de la société, que tu les vois, tu dis, je croyais bien que c'est un goy, comment il parle, comment il se conduit, comment il mange, un goy, mais moment de détresse, il revient où? Hop, il revient à l'endroit. On le voit où? On le voit au kotel, on le voit chez le... Il vient demander une bracha, il vient demander un conseil. Pourquoi? Parce qu'en nous, Akadosh Baruch Hu, il nous a créé avec cette inyan qu'on a cette graine qu'on appelle Emouna. Parce que l'homme, il a besoin de croire en quelque chose. Mais la vie aujourd'hui, elle fait en sorte que ce besoin qu'on a pour croire, il était un petit peu abîmé. Donc les gens, ils ne savent plus dans quoi croire. Donc il est leur énergie, à la place qu'elle va être 100% sur une chose, que ça donne beaucoup de force. Quand tu tiens une chose, que tu tiens 20 ou 30 choses, la force, elle partage. Mais si tu l'investis sur une chose, elle est très très forte. Mais aujourd'hui, les gens, ils sont... La vie, elle fait qu'on est un petit peu... C'est un peu balagan, donc on ne sait plus. On croit... Aujourd'hui, on nous dit le lait, c'est pas bien. Après, tu dis le lait, waouh, c'est important pour le croissant. Donc, tu crois au lait, après, tu dis non, c'est pas bien le lait. La viande, c'est pas bien. Les poissons, il faut faire attention. Les cigarettes, le soleil, les crèmes de soleil. Tu ne sais plus quoi penser. Donc, ta émouna, elle était basée sur X. Maintenant, elle bouge au Y. Après, non, pas Y. Même X, c'est pas bon, il faut D. Donc, l'homme, il est un petit peu chachouk.
comment on dit Shachouk, qu'il est épuisé. Donc nous, on doit s'élever et savoir que derrière toute cette petite chose que je crois, il y a une seule chose qui nourrit le tout. Et on revient encore à où que tu te focalises, que Boré Olam. Beribono shel Olam, moi, toute ma émouna, je le focalise sur lui. D'accord? C'est comme si maintenant j'ai une grande bouteille et cette bouteille va arroser tous les gobelets qu'il y a ici. Mais c'est ça la racine. Tu dois mettre tout sur Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que si tu te mets tout à Akadosh Baruch Hu, tu sais quelle force ça. Qu'est-ce que tu vas t'équiper maintenant des branches et des feuilles et même les fruits, ça ne t'intéresse pas. Moi, je suis à la racine. La racine. Dans la racine, il y a tout. Comment cet arbre est, comment sa qualité, quel fruit il va donner, quelle qualité, tout c'est dans la racine. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Je me focalise sur la racine. Donc cette racine, elle va nourrir tout l'arbre. Ça veut dire l'arbre de ma vie, mes enfants, mon mari, ma santé, ma parnassa, elle dépend de quoi? Dépend d'Hachem. Et qu'est-ce qu'il dépend d'Hachem? Comment moi je serai? Parce que Chachamim il dit, tes actions t'approchent d'Hachem, tes actions t'éloignent d'Hachem. Comprenez? Comme on a une certaine conduite qu'on doit respecter vers Akadosh Baruch Hu. Et après, tu reviens vers toi. Ça veut dire que tout ce que l'homme fait ici, de si-bas, ça monte dans la racine de sa Neshama et ça redescend sur lui. C'est-à-dire le chef, il monte, puisque tu as fait une bonne action, par exemple. Cette action, elle a créé une certaine lumière dans ta Neshama, dans ta vie. Et cette lumière, elle monte là-haut, dans la racine de ta Neshama, comme si elle marque son trace, elle reprend des forces, elle redescend sur toi. Donc comme ça, l'homme, il a plus de forces, il met à air, il s'est purifié pour continuer à faire encore des mitzvahs. Pour ça, on dit mitzvah, ramène une mitzvah, avera, ramène une avera. Donc si on veut qu'on soit avec Hachem Tzilcha, que Hachem soit mon ombre, faut qu'il dise si bas, je le fais de manière que j'attire l'ombre positive, ou Khalila, je peux attirer des ombres négatives. Parce que le mal ne vient pas du ciel. En ra yored mi lemala. Le mal ne vient pas du ciel. Le mal peut venir d'action de l'homme. Donc si ici il fait du mal, ça monte dans sa racine de sa neshama et ça descend quoi? Le mal. Donc tu ne peux pas dire, ah Hachem, il m'a fait. Pas du tout. Comment ils sont tes conduites? En fonction de ta émouna. Si tu as la émouna forte qu'Hachem il est là pour toi, qu'il te regarde, ta fille unique, tu es une fille unique pour Hachem, ne t'embrouille pas parce que tu vois encore 7000 comme toi, avec les mêmes nez, les mêmes yeux, non, mais chané, tu es unique parce que ta neshama elle est unique. Il n'y a pas deux comme toi, même si tu fais le monde entier, tu ne cherches pas, peut-être physiquement tu vas trouver quelqu'un qui te ressemble, même exact, mais pas la neshama, il n'y a pas. Deux neshamot. On est tous des neshamot qui reviennent dans ce monde pour réparer ce qu'on n'a pas fini à réparer. En fonction de ça, on a des travails. Et on est testé sur quoi dans ce monde? Sur notre émouna. Et les nisyonot les plus grands avant ma chère, ils vont être sur quoi? Émouna. On ne va pas te demander qu'est-ce que tu connais, qu'est-ce que tu ne connais pas. Qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu n'as fait pas. Parce que tu peux faire beaucoup de Torah, beaucoup de mitzvot, mais ta émouna, elle n'est pas forte. Et tu le fais pour X raisons, pour les cavotes, pour peut-être pour l'argent, pour qu'on te marque ton nom sur une cadre, sur une synagogue, pour soi-disant que dans 30 ans, on va parler de toi. Mais la émouna, c'est quelque chose que tu vas tester. Est-ce que tu as vu Hachem dans tout ton chemin, tu as vu Hachem ou pas? Est-ce que tu as senti Hachem ou pas? Est-ce que quand tu as peur, quand tu as des doutes, tu lis Hachem? Ton problème avec tes shlombait, est-ce que tu lis Hachem ou pas? Est-ce que quand tu as un problème avec ton fils, de toutes sortes de problèmes, est-ce que tu lis Hachem ou tout de suite tu cherches quelqu'un, un psychologue, un psychiatre, un thérapeute ou toute cette coach aujourd'hui? C'est ch'touyot tout ça. C'est bien, j'ai rien contre ça, au contraire. Mais c'est une intermédiaire. D'abord, voir qu'il y a Hachem. Après, lui, t'en vas des intermédiaires. Mais si tu crois que cette X, Y, Y ou je ne sais pas quoi, ils vont t'aider, c'est que tu as déconnecté les liens avec Hachem. C'est comme si tu fais une avoda zara, quoi. Il y a une autre force dans le monde. Mais tout, tu lis avec Hachem. Et tu sais que quand tu parles avec Hachem,
Vous avez écouté hier? Ça, parle avec Hachem, parle avec Hachem. Plus tu parles avec Hachem, plus je travaille mon émouna. Ça devient quelque chose. C'est ma respiration, c'est mon équilibre. Parce que si je ne renforce pas ma émouna, qu'Hachem, il est là. Dans le quotidien, je vois Hachem. Chaque chose que je fais, il y a Kadosh Baruch Hu. Chaque fois que j'entends quelque chose, avant que tu aies peur, avant que tu aies des imaginations, hop, ramène vers Hachem. Pourquoi Hachem il a fait que j'entende ça aujourd'hui? Pourquoi j'étais bien, je commençais à travailler mon bitachon, puis tombe, j'entends un microbe qu'ils ont découvert et ils touchent, ta ta ta, gamar nous ma tête, les peurs, les manques d'émouna, les doutes, l'imagination. Ça, c'est dans le quotidien. Comprenez? Qu'est-ce qu'il fait, les tsarara? Toujours, il prend de l'avenir, il te gâche le présent. Rappelez-vous. Et qu'est-ce que nous, on doit pour répondre à ça? Tu prends de l'avenir aussi, mesure par mesure. Et tu dis, ça va aller. Et tu vis bien ton présent. Ce qu'il fait, les tsarara, il nous gâche le présent. Il nous gâche le présent. Regardez combien de fois on a peur. Jamais de peur. Est-ce que maintenant, là, sur le moment là, on a peur de rien? Le Yetzer, il est tellement fort qu'il te rend des pensées qui t'inquiètent, qui te donnent des idées, mais c'est pas pour l'instant, pas sur le présent prêt là maintenant, c'est toujours dans le futur, que ce soit le futur dans une heure, dans un jour, dans un mois, dans un an, l'homme échané. Mais il arrive à te pénétrer en toi pour te déstabiliser. Parce que quelque chose que tu as déjà commencé à travailler, il arrive à te déstabiliser. Mais si on comprend que tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend, tout ce qui se passe, c'est des nisyonot pour nous, est-ce que tu tiens la corde ou vite, vite, tu tombes, tu avales de l'eau et tu n'arrives pas à tenir le corps pour continuer à marcher, à traverser cette fleuve. Est-ce que vous comprenez? Donc même si tu tombes, même si tu avales de l'eau, même si tu t'es fait mal, tant que tu ne lâches pas la corde, tu vas traverser cette fleuve. Comme c'est la vie aujourd'hui, c'est une grande fleuve qu'on doit traverser pour arriver à l'autre côté. C'est quoi l'autre côté? C'est être Baalé Emouna. Je possède la Emouna, mais Emouna comme une muraille. Pas une Emouna comme la porte. Ah, la porte, vous voyez la porte? Elle bouge, elle se ferme, elle s'ouvre, elle se ferme. Une fois à droite, une fois à gauche. Ça fatigue la neshama de l'homme. Qu'une fois il a confiance, une fois il n'a pas confiance. Une fois il croit à cela, une fois il ne croit plus. Une fois il a des doutes, non, il n'a pas des doutes. Il est tellement d'énergie, il n'a rien fait, il est fatigué, crevé. Pourquoi? Parce qu'ici, la tête, il n'est pas. Toute ma force, je dois focaliser sur Hachem. Pas. Mais me bouger, si je me focalise qu'Hachem, c'est la racine de tout, donc je m'arrose cette racine à la place de chaque fois d'aller, de tester des petites choses qui soi-disant c'est eux la énergie. Là-bas, ça va, j'aurai mon énergie. Est-ce que vous comprenez? Mais vous savez, s'il y a une chose qu'on doit travailler chaque fois qu'on respire, dès qu'on se lève, à peine que tu dis déjà Modéani, Rak, si tu arrives à voir l'heure avant que tu aies vu Modéani, tu peux être déjà contrarié. Et cette contrainte va te ramener des flashs à plusieurs angoisses dans la journée. C'est ça, maintenant quoi? C'est à quoi? Tu crois que vraiment il y a un hasard dans ce monde? Est-ce que vous croyez vraiment qu'il y a un hasard? Vous savez, une vie qui est basée, que tout est par hasard, c'est une vie pleine de peurs. Il n'y a pas d'hasard. À col, et il est dans la volonté d'Hachem. Comprenez, il y a des gens qui leur arrive des choses qu'ils disent pourquoi j'ai fait ça et pourquoi, comment ça se fait, d'où est venue cette force. Une fille, elle m'a raconté qu'elle est partie pour se marier, c'est un deuxième mariage ou troisième mariage, elle est partie pour se marier, maman, tout était bien, elle arrive pour, maman, je rentrais dans le bédil, dans le pour, elle ne sait pas ce qu'il a pris, et c'est ça. Et c'est ça, elle ne se marie pas. Et elle a eu des regrets, elle veut retourner, mais elle a découvert quelque chose, que heureusement qu'elle ne s'est pas mariée.
Tu comprends? Elle, ça veut dire que Akadosh Baruch Hu du ciel, il t'a donné cette pensée de prendre tes pieds et de bouger. Pourquoi? Ça nous montre, la Gemara, elle dit, en Adam, Moses, Etzba, Beze, Olam, Yolom, Achizim, Alav, Milemala. Toi, tu crois que tu es parti à droite et pas à gauche. Tu comprends? Akadosh Baruch Hu, Chachamim, il dit, un homme ne bouge pas ses doigts. Regarde, je prends cette bouteille. Ça a l'air instinct comme ça. C'était déjà là-haut. Imaginez-vous, ça a l'air tout là-haut. Il décide pour toi des choses que tu vas faire. Non, même Hachem, il sait ce que tu vas faire. D'accord? Tout doit être comme si on donne une OK pour les actions. Mais s'il n'y a pas l'OK, tu ne vas pas bouger cette bouteille. Hachem, Ishmor, il y a des gens qui sont paralysés pour faire des choses. Putain, Makara, comment c'est possible que la personne prend son pied et elle part d'un endroit? Il faut savoir que, vous savez, combien de fois je vous dis, je ne sais pas si on arrive à comprendre cette phrase, « Tachlit ha-yedi'a, zehi ha-yedi'a ». Si tu veux croire à Hachem, ne cherche pas à comprendre rien du tout. Tu peux chercher, va prendre toute la chasse, tous les livres, toute cette bibliothèque, étudier toute ta vie, il n'y a pas de problème. Tu peux savoir tout. Mais après que tu as tout fini de connaître, même tu deviens le plus grand Talmid Chacham mondial, si tu comprends que malgré que tu sais tout, tu comprends que tu peux, que tu ne connais rien, c'est ça la Emouna. Je ne connais rien, je suis nu de toute connaissance. Comme une BMA. C'est quoi la BMA? Elle est un peu bête, la BMA, n'est-ce pas? Nous, on doit être avec tout ce qu'on sait, savoir qu'on est un peu, on ne connaît rien. Avec Hachem, il ne faut pas que je vienne avec des trop intelligents et comme on fait. BMA, c'est une bête. Mais c'est aussi BMA. C'est une bête aussi, c'est pour ça. Tu comprends? Parce que des fois, les gens. Il vient avec beaucoup de livres qu'ils ont étudiés, beaucoup de chokhmot, et tout le monde leur dit waouh, qu'est-ce que t'es chacha, mais comment t'as analysé la chose, ils croient, waouh, ils s'envolent avec les kochi et otsem yadi. Mais vite, vite, faut descendre. Devant Hachem, il n'y a pas tout ça. Devant Hachem, sois tamim. Tu veux avoir la emouna, sois tamim avec Hachem. Pourquoi Abraham avinu rak de masech et d'avoda zara? Une seule chose, il savait 520 masechtot. Non, c'était pas. C'est une grande saison par rapport à toutes ses connaissances. Et il t'allèche le fanaï vaya tamim. Il était intègre, il était tamim avec Hachem. Jamais il a, hop, il a posé une question. Pourquoi il est tamim devant Hachem? Il était comme un bébé qui ne sait rien du tout. Maintenant, il savait énormément de choses. Mais c'est cette chokhma. Amen qu'on arrive à avoir une grande saison de sa chokhma d'Avraham Avinu, ou de David Amelech, de Yosef Hatzadik et de Yitzhak. Mais comment ils étaient devant lui? Arumim bedat, ils étaient nus dans les connaissances, rien, ils ne connaissaient rien, comme s'ils ne connaissaient rien. C'est quoi le problème aujourd'hui? Que dès qu'on commence à comprendre quelque chose, on veut tout contrôler. On ne contrôle rien du tout. On ne contrôle rien du tout. On fait la volonté d'Hachem, on demande à Hachem chaque jour qu'il nous donne la force de connaître encore, d'avoir encore une pas dans la Emouna. Comment je peux connaître encore des manières pour approcher à toi, pour avoir une émouna fort avec Hachem. Bezrat Hachem. Si vous avez des questions, je vois aujourd'hui, on ne fait aucune. Moi, j'ai que du pain, si vous voulez. Hein. Non, si c'est mon sinon. Non, c'est une émouna. Ah, ken, ken, ken. C'est bien, une émouna. Beta, bet, nachon. Nachon. Mais les vies distribuées.